Oui, vraisemblablement. En fait, Microsoft a fait un coup gagnant en investissant il y a quelques années dans cette petite start-up, en mettant quand même la modique somme d'un milliard, c'est de dire s'ils y croyaient, et ils ont ce qui a permis son développement. Et pendant des années, ils ont fait ingérer à une intelligence artificielle des millions, voire des milliards de documents pour qu'il ait une connaissance de vraiment très très grande de pratiquement tous les sujets. Et puis là, ils ont annoncé, ils ont fait un coup médiatique assez fort puisqu'ils ont mis en libre service cette intelligence artificielle que tout le monde peut tester. Et dans la foulée, ils ont annoncé qu'ils allaient reprendre une participation dans cette entreprise de plus de 10 milliards pour permettre de l'intégrer dans les produits de la suite Office. C'est-à-dire que, par exemple, dans votre messagerie Outlook ou dans votre Word,